voulez un café, patron? Ah, merci. D'accord. Alors, il paraît qu'on t'a choisi pour la prochaine mission. Ouais. Tu sais piloter un F-18? Bah, évidemment, les yeux fermés. Une navette spatiale? Bien sûr. Faire naviguer un pétrolier? Les yeux fermés. Alors, donc... putain de machine. Alors, comment peux-tu avoir des problèmes avec une cafetière? Bah, je sais pas, j'ai dû ouvrir les yeux, probablement. Tiens, voici ton faux passeport. Merci. Et je vais te dire ton itinéraire et tu dois le retenir de mémoire, car prendre des notes, c'est trop dangereux. Oui, monsieur. Tu iras à Budapest, Singapour, Bagdad, Moscou, Melbourne, Hong Kong, Turin, Belfast. D'accord. D'un avion à l'autre, aucun arrêt nulle part, même pas aux toilettes. Ok. Tu vas tout retenir? Bah, j'aurai pas le choix jusqu'aux prochaines toilettes. Dans ta mémoire, je veux dire. C'est clair. Et tu emportes avec toi cette petite radio spéciale pour les espions. Chouette. Tiens, tu l'allumes comme ça. Alors, top délire, top musique, top secret. Et au premier aéroport, un homme vêtu de bleu t'attendra. Vêtu de bleu. Tu dois lui dire le mot de passe suivant. Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient. Cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan. Ah là là là, soin soin les petites boules. Sur la cuvette, il va te, oui, ça coule. Flibe les vides de la vie de la fèche. Hot hot hot, oui, on a rien à foutre. Ha 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 ha. Et le tout dans la plus grande discrétion. D'accord. Le type doit te répondre avec le mot de passe que voici. J'écoute. La de la grosse madame. 4 8 2 3 3 3 8 8 7 7. Et il te conduira quelque part. C'est bien compris. Voilà. C'est clair. Alors refais exactement ce que je viens de faire. D'accord. Voilà, c'est parfait. N'est-ce pas? Voici tes billets, tu pars immédiatement. Et ça va, la chanteuse? Alors je suppose que ce type en bleu m'attend en bas de l'escalier. Tous les passagers du vol 7520 en direction de Londres sont priés de se mettre un doigt dans le cul et de chanter Margot. Ouf, heureusement pour moi que j'étais pas sur ce vol, je me serais fait repérer. Ah bon, où il est mon monsieur bleu? Je vais descendre et... Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous pouvez me dire l'heure, s'il vous plaît? Il est... Tiens, vous avez une veste bleue? Oui. Les fleurs d'oranger au parfum d'Orient, cette douleur que j'ai en mangeant de l'origan. Ah là là, toi, les petites boules, sur la cuvette, tu vas te coule. Fibre, les tives, la fèche. Hout, 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 oui, on arrive à foutre. Hallelujah. Oh, l'idiot. Hout, hout. Eh ben alors? Alors quoi? Vous avez une réponse? Oui, on pourrait en parler plus longtemps, bien sûr. À 14h dans mon bureau. Vous êtes bien un espion? Non, moi, je suis psychiatre. Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Il s'appelait Pep et ne se doutait point de ce qui allait lui arriver. Par un bon dimanche, et Pep le cala pour lui dire en bateau, viens te promener. Comment?